Allez, ceux qui est d'Artimuse, à l'abordage Moussaillon, donnez-moi quelque chose à boire. Alors, tu sais très bien que je bois plus d'alcool avec mon foie gras, donnez-moi quelque chose de fruité, là. Oh non, mais là-dedans, il y a trop de sucre, donnez-moi quelque chose où il n'y a pas beaucoup de sucre. Et ben voilà, du Oli. Oli, c'est une boisson en poudre à diluer qui contient moins d'un gramme de sucre par litre. Et avec le code promo GEL, vous allez avoir 10% de réduction sur votre commande. Ou avec le code promo GEL5, vous aurez 5€ sur votre première commande. Pratique pour essayer. Et en plus de tout ça, les amis, c'est bon. Allez, à l'abordage. Eh ben oui, on peut presque dire qu'on y est. On n'y est pas encore, mais on a tout fait pour y être. On est à Southampton, en Angleterre. On est réveillé depuis 4h du matin. Il est 15h. Il est 15... non. Si, il est 15h en France. Effectivement, il est 15h en France. On n'a pas beaucoup dormi l'année dernière parce qu'on a fait un live Twitch. On est fatigué, mais demain, on monte sur le bateau de la Disney Cruise Line. Coucou bébé. Bébé. Bonjour madame. Bonjour madame Bébé. Bonjour. C'est le grand jour aujourd'hui. Regardez-moi ça. Ce petit déjeuner de champion. Alors du coup le bateau, on le prend que aujourd'hui, donc ça fait une journée qu'on est à Southampton. On a décidé de venir un peu plus tôt. Comme ça, on était sûr qu'on ne loupait pas le bateau. Oui. On va dire que je suis un peu poissard. On va dire ça comme ça. On est resté donc au Harbor Hotel, à côté du port, et c'était extraordinaire. Le petit déjeuner est génial. Regardez-moi ça, des œufs bénédicts, un full breakfast. On a une belle vue sur le port de Southampton. Et qu'est-ce qu'on voit? On le voit là. Pas d'ici. Le bateau Mickey. On a ramené Mickey avec nous aussi. On a un Mickey comme ça bébé. On va aller sur le bateau ma chérie. Miam 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 miam. On va leur montrer le bateau. Alors, ça c'est P&O. Et tout au bout là-bas, c'est le Dream. Je suis tellement heureux et tellement excité de cette journée. À l'origine, ce voyage, on devait le faire sur le Disney Wish, le nouveau bateau dans les croisières dans les Bahamas. Mais suite à mes complications de visa américaine, eh bien on a dû annuler ce séjour. Donc ça fait un an qu'on a réservé du coup cette cruise line. Et autant dire que je suis plus qu'excité et plus qu'impatient de monter. D'ailleurs, rien que de penser à être sur le bateau, j'avais déjà des frissons de ouf. Enfin, je suis très impatient. Et puis, de faire découvrir à Sandy cette expérience incroyable qu'est la Disney Cruise Line. Et puis aussi pour partir 7 jours à bord de ce vaisseau magique, quoi. Ça va être incroyable. T'es excité? Moi, j'y pense pas. Pourquoi tu penses pas? Parce que on ne sait jamais où tu es là, où on y aille. En tout cas, bébé, elle a très faim, je pense. À 14... Non, à 13h30, on a une navette qui nous emmène au bateau pour le check-in. Oh oui! Alors, première étape, déposer les valises. Bon, on a déposé les valises qui vont nous rejoindre directement. Regarde la pile de valises CMC. Ils vont prendre toutes nos valises, les mettre directement dans la chambre et nous, on va voir où est-ce qu'on doit aller maintenant. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Moi non plus. To the ship, let's go! Ce qui est bien, c'est qu'on avait rendez-vous à 14h. On a eu un petit problème avec la photo de bébé qui n'était pas bien cadrée, donc du coup, le check-in a pris un peu plus de temps. Ça a pris 30 secondes de plus. Ouais, pas mal. Il est 14h09 et on est déjà prêt à embarquer sur le bateau. Il est 14h09, on a mis 10 minutes. On a mis 9 minutes. Oh, la vache. Sachant qu'il y avait, une vingtaine de comptoirs, c'était super rapide. Checker le passeport, tac tac, c'est bon. En plus, nous on avait fait déjà notre check-in en ligne avant, c'était trop bien. Et donc, du coup, là, ils nous ont dit vous pouvez monter sur le bateau, aller dans votre chambre, votre clé vous attend. La clé est sur la porte. La clé est sur la porte. Ah, trop cool! Alors, il semblerait
qu'il faut qu'on passe une sécurité comme à l'aéroport. On va voir combien de temps ça prend. Bon, bah... Ah, ils sont sympas, ils ont bien voulu que Pépé reste dans la poussette pour faire le massage. On a passé en quoi ? 1 minute 30. Même pas une minute. Et encore, on a beaucoup de sacs. Donc vraiment, conseil numéro 1, respectez votre heure d'arrivée et tout va bien se passer. C'est incroyable. Bon voyage. Oh, oui, regardez le photo. Et on a fait notre première photo. Dommage, bébé, elle a pas la photo. Ça fait un petit peu peur quand même là. Mais non, tu vois pas le sol. Il y a Dingo là-haut. Disney Dream, please welcome along the Gildas. Je suis dingue, ils sont bleu ciel. Disney Dream, please welcome aboard the Walsh family. Disney Dream, please welcome aboard the Popowitch family. Disney Dream, please welcome aboard the McDonald family. On va dans la chambre. Matin, elle vient de se réveiller. Regarde, elle regarde partout. Non, on va voir un goût direct. Ce soir. Tu veux aller voir Dingo direct? Ouais, faut monter au premier étage. Tu as pêché le cas? Pardon. Ah oui, d'accord. Ça va qu'il n'y a qu'un étage. Allez, oh, c'est Goofy s'en va. Non, Goofy. Reviens, Goofy. Oh! Hi! Hey! You guys hop in line now. Yeah. We're coming right back if you'd like some photos. Yes, of course. Please welcome Gordon and Nomura family. Bravo! Bravo, mon père. On y est! On y est! Coucou! Bébé, regarde papa! Coucou, bébé! Bébé! Dingo! I'll take the room here, the room number? 6678. 6678. Bébé! Vas-y, bébé! Viens! 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 Bonjour! Premier personnage de bébé. Oui bébé. 6678 bébé. C'est notre show. T'es prête? C'est trop bien. Bah oui. Il y a nos pieds dedans. Oh. Oh. Bébé, tiens. Ça c'est la tienne, c'est écrit ton nom. Ça c'est à papa. Attention. Ah, watch your step. Oh, il y a un joli petit dodo ici. Il faut qu'on le monte. Non, mais ça, c'est pour nous, ça? Oui, oui, parce qu'on est membres argent, donc du coup... C'est pas vrai. Si, si. Merci. Tu vois, c'est pas super grand. Mais c'est trop mime, ça, attends. On a un petit canapé quand même. Attends, on a un placard. On a un placard. Non, ça c'est la chambre qui mène à côté quand tu prends des chambres connectées. On aurait dû prendre ça, ils ont vu le prix. Ça c'est anti-moustique, c'est trop bien. Attends, je suis bloquée. Alors, lock, unlock. Quoi? Unlock, gros os. Ah, j'ai dû faire lock. Pour. Attention, mon pain, c'est écrit. Une marche.
juste regarder si c'est très très haut. C'est très très haut, mais il y a un panneau juste en dessous, donc ça ne fait pas peur. C'est trop bien. À quoi ça sert le cavalier? Par contre, t'as vu, ce qui est bien, c'est qu'on peut séparer bébé de nous. Ouais, mais c'est quand même un petit rideau. Quoi. Oui, mais bon, ça reste quand même cool. Fais voir, on va regarder les autres pièces. Là, donc c'est la chambre connectée. Attends, on a pas... il faut mettre une clé. Là. Ah, sinon, on n'a pas de lumière. On va mettre la clé de bébé. Tiens. Et ça nous sert à quoi d'avoir des clés comme ça? Ben, on peut faire toutes les activités avec ça. Waouh! Oh, mais il y a un petit bain! Attends, on va regarder. Il y a un tout petit bain mignon pour bébé! Oh, ah, le petit bain de bébé mignon! Et du coup, c'est là où on va faire la crotte, quoi, je pense. Le caca? Ouais, ouais, c'est l'endroit de la crotte. C'est aussi grand que la salle de bain. Ils auraient pu. Il y avait de la place sur. Oh. Attention, parce que avec ses mains là. Bébou, viens là! Non, non, non! Oh là là! Oh là là! Bébé! Oh, on a des chapeaux pour mettre sur nos verres! Attention, bébé, viens voir! Ouh, la bouille! Quel beau sac! Mais quelle belle lanière! Et voilà! Prête à aller faire une formation? Bah où? Ouais. Ah non! J'ai oublié mon gilet. Mon gilet de sauvetage. Allez, c'est parti! On y va, bébou! On vient le moment un peu moins drôle de la Disney Cruise Line, c'est la formation obligatoire. Ça dure une petite demi-heure. Bébé, elle est déjà vénère, donc ça va être trop haut. Voilà, l'exercice d'évacuation est fait. Ça dure 4 minutes. On a regardé une vidéo de 3 minutes. Voilà. Et là, on va aller se diriger pour aller voir le spectacle du petit Mickey. Du petit Mickey! On est au Cabanas, qui est donc un buffet le soir. Et la bouille, ça y est, elle est déjà amoureuse de la fresque. Une fresque en mosaïque. Regarde, il y a Bruce là-bas. Regarde, j'adore, j'ai trop envie de faire ça. C'est trop beau, hein? C'est trop beau, la mosaïque. Oh, Dolly, elle est trop bien faite, mais c'est abusé, c'est trop beau, quoi. Et Bruce là-haut. Oh, wow. C'est génial. Oh, wow. Disneyland Paris en château de sable. C'est trop bien fait. Disneyland Paris, là, Disneyland, Disney World. Tokyo, Hong Kong, il manque Shanghai. Hein. Il est beau, hein? Il est trop beau. Il a un poisson dans le bec. Regarde, tu peux faire une photo comme ça avec lui, quoi. Tchic! Alors? Il y a un cinéma dans le truc. Ouais, il y a un cinéma, ouais. C'est incroyable. Où ils diffusent en plus tous les derniers Disney, Haunted Mansion, Elemental. C'est une scène ou il y a juste un écran? Non, c'est il l'utilise que pour faire des films ici. D'accord. Trop bien, non? C'est trop beau. Quoi que c'est. Il n'y a même pas assez de place sur leur porte, ils ont les partout. C'est génial, je trouve, moi. Ils sont zinzin. Mais non, mais c'est trop cool, je trouve. Oui, mais là, c'est trop, là. Regarde. Oh, regarde, ils ont marqué toutes les croisières qu'ils ont faites. Waouh. On aurait dû faire ça, aussi. C'est trop cool. Ça, on va le faire, aussi. Et après, on mettra un chapeau, là, de Mickey. Ouais. Et c'est tout. Alors, programme chargé, là. Bah, déjà, de 1, il y a Mickey. Ouais. Et de 2, il y a Minnie. Il y a Mickey, il y a bébé. Il y a bébé et Mickey. Coucou les coucou gens. Coucou bébé. Et il y a un autre programme aussi. C'est quoi? C'est la boutique. La boutique pour le launch flight exclusif du Disney Fly Dream. Et Disney Cruise. On verra s'il y est. Apparemment, c'est très compliqué de l'avoir. Hein. Oui, mais bon, on a déjà des agents infiltrés dans la file d'attente. Ah, bon, d'accord. C'est qui? Bébé. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est Mickey. Hello Mickey! C'est Mickey! Bébé, c'est Mickey! Le nez! Le nez! On fait une photo avec Mickey, bébé? Viens, viens, fais une photo avec Mickey! Mickey, il parle français, je crois. Oui, un peu, il comprend. Thank you, Mickey! Merci! Bisous! Tu dis bisous? Oh oui, bravo! Oh oui! Oh, c'est des paillettes! On a acheté n'importe quoi? Oui!
On a qu'est-ce que t'as acheté, Romy? Une chemise. Une belle chemise. Mais voir ta chemise. Elle est comme ça. Chemise, là, de plus. Non, mais oh là elle là. Est dégueulasse, ta chemise, Romy. Ah ouais? Elle est nulle à chier. T'es tu sais qui c'est qui achète ça? Non. Le plouc. Et t'as non, acheté non, quoi d'autre, Lolo? Moi, j'ai acheté un sac. Ah, la biatch. J'en ai acheté un. Il est très beau. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Oh là 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 là. Enchanted Garden. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Et on change de... Tous les soirs. Oui, tous les soirs. Oh, 1, 2, 6. Oh, il y a déjà la chaise de bébé. Are you a waiter, Richie? Yes. Are you Lionel Richie? Say you, say me. Can you please? Thank you. Thank you. And a kid have a kid. Alors, ça. Ah, oui. Deux, trois, non plus. Okay, one more thing from me, so before we start, Il y a une fille qui vient de chercher Roby là. Pourquoi? Bah parce que. Alors j'ai pris un ton. Oui. Ça s'appelle, on dit tona. Tona. Tonalité. Oui. Et du ravioli en panzani. T'as pris deux entrées, Roby, c'est de la bouche. J'ai pas le temps. Et toi aussi, je crois que t'as un autre plat qui t'attend derrière toi. Ah bon? Ah zut alors. Ah. Ah parce que moi j'ai pris du thon et. Ah bah la même chose que toi en fait, Roby. Bah. Arrête de me copier. C'est toi là. Bébé, elle a une assiette qui est 200 non, fois plus grande. Regardez bébé qui boit. Bébé, ton vœu. Elle est mignonne la petite. La tête qui est faite, elle fait plus. Romy, t'as pris un plat. Ah non, deux, pardon. Non, mais c'est trop. Mais oui, je vais finir, bien sûr. Je suis un gros porc. Est-ce que je peux te prendre ça? Là, moi j'ai pris le VF. Oh, qui c'est qui va faire bébé qui pue? Moi j'adore aussi. T'as pris quoi la bouille? Oui, ben. Miam, miam. Ça tente pas du tout le bateau, ça va. Franchement, c'est nickel. Ouais. Moi j'ai pris ça, je sais plus ce que c'est. Ah, par contre, il a récupéré ma cuillère, Richie. C'est bon. Bah, j'ai pris une. Comme toi. Vas-y, un hémorroïde. Non, mais il a mis nous. Tu goûtes? Ah, ça me fait. Et une autre pécan. Tu goûtes? Non. Attends, j'y suis là. Oh là là là, je cherche un trésor. Mais c'est incroyable. Putain, hey, Roby, ça bouge de ouf, les gars. T'es un malade, c'est toi qui conduis le bateau. Les femmes et les enfants d'abord. On est au Walt Disney Theater. Premier spectacle, les Golden Mickeys. 45 minutes de spectacle. Là, le petit Pixar, c'est vraiment de la merde, vous, excusez-moi. Et pourtant, c'est, je crois, le plus vieux spectacle de ce bateau. Et c'était trop bien, parce que t'as des personnages que tu vois rarement. On peut pas vous montrer l'image parce qu'on n'a pas le droit de filmer. Quasimodo, s'il te plaît. Mais Quasimodo, Blanche-Neige. Mais la grosse Ursula qui est débarque. C'était trop bien. C'est pas le meilleur. J'ai adoré. Non, c'est pas le meilleur. C'est carrément pas le meilleur. Bébé, elle a adoré. Elle était fascinée. Elle était sage. Elle s'est même pas endormie. Elle a adoré. Allez, retour aux activités du bateau. Au revoir, Goofy. Et sur notre petit lit, il y a un petit machin, un pingouin. C'était un pingouin. Et des petits chocolats. Petite coquine. The next morning. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième journée de la Disney Cruise Line. C'était trop bien la première soirée après le spectacle. Good morning. On a fait un petit tour. Yes. Would you mind to wash your hands first? No, it's no problem. Ok, il faut se laver les mains avant le petit déjeuner. Donc on va petit déjeuner ce matin au Cabanaz. On a un programme de folie aujourd'hui. Non, vous vous lavez les mains. Non, c'est une question d'hygiène.
On va se laver les mains et hop, au miam miam. Je pense que quelqu'un va te dire. C'est sûr. La tête. Tu sais ce que j'aime le plus d'être sur une Disney Cruise Line ? Non. C'est d'avoir les pieds compliqués. Quel plaisir. J'ai l'impression d'être en Floride, quoi. Je suis trop content. Bon, par contre, la vue, c'est pas les Bahamas, quoi. Ouais. Soit on a une vue industrielle et on a l'internet, soit on a une belle vue mais on n'a pas l'internet. Le drame, quoi. Ouais. C'est dur, hein. En tout cas, bébé, elle se régale. Mais moi aussi. Moi, je veux le petit déjeuner. Moi, je le trouve trop bon. Après, comme dit Sandy, c'est très salé. Hein, mais moi, j'adore les œufs bénédicts, j'adore les pancakes, j'adore les gaufres, j'adore le. Enfin, tout ça, quoi. Le truc, il faut se laver les mains automatiquement. Incroyable, il faut que tu lui fasses la bouffe, c'est génial. J'ai presque envie de le tenir pied dedans. Incroyable! Bien. Donc là, on est au chien. En tout cas, bébé, elle adore la piste lumineuse. Ah, c'est ça que t'aimes bien, mon amour? On est au chien. Tu vas aller jouer dedans? Donc là, on est à l'intérieur du Oceaneers Lab. C'est en gros le club adolescent. Et tous les matins, ou même une fois dans l'après-midi, il y a des petits ateliers comme ça qui sont ouverts où on peut découvrir ce qu'il y a disponible pour les enfants. Donc là, en l'occurrence, par exemple, regardez. Il y a un simulateur de bateau juste ici, c'est très cool. Il y a des tables à dessin là-bas, une académie d'animation juste ici. Là, il doit y avoir un petit endroit où ils peuvent manger, justement. Un endroit pour jouer à la Switch, des films. Là, il y a du Mario Kart, des iPads avec des jeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, il y a des toilettes. Encore un atelier de dessin. Hi. Et là, il y a un truc, on n'a pas le droit d'aller. Mais c'est trop cool. C'est bien, en plus, on peut visiter. Tu joues, bébé ? Elle joue à orange. Bébé couleur ! C'est toi qui fais arc-en-ciel. Mais oui, regarde. Je mets mon pied là, hop, ça va lancer de la couleur vers là-bas. Merci, ma chérie. Et voilà, bravo. Hola, hola. Yeah. Ah. Oh là là. C'est trop bien la bouille. C'est trop cool le truc interactif et tout là. C'est arrivé la bouille. Mais oui, mais je comprends pas s'ils vont faire en fait. Là, il faut que t'éclates des ballons avant qu'ils arrivent. On sort donc de l'Oceaneers Lab Open House. Donc c'est ouvert à tout le monde et c'est très très cool. Bon, après bébé, elle est un peu petite pour participer à ces activités. Mais c'est amusé, mais en tout cas pour les jeunes, c'est super parce que c'est très beau, c'est bien décoré. Et en plus, ça leur fait faire un peu d'exercice parce que mine de rien, les jeux, tu dois sauter, tu dois marcher, tu dois faire pas mal de trucs. Donc c'est très très cool, ça m'a beaucoup plu. Et à 13h, on va visiter l'autre labo. Parce qu'il y en a deux. Il y a le Oceaneers Club et de l'autre côté, il y a Oceaneers Lab. Donc là, c'est le club, mais l'open house, c'est cet après-midi. On vient de jouer un jeu sur les méchants. Wouhou ! On les a éclatés ! Regardez-moi ça, regardez-moi ça, qui c'est qui a gagné ? Éclatés ! On les a éclatés ! Non, c'est faux. En tout cas, merci Roby d'avoir donné aucune réponse. Si, 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 j'étais là. Non, tous les trois une médaille qu'il en a pas. Roby, il a dit à un moment donné, après qu'il ait eu la réponse, ah oui, bah oui, bah oui, c'est vrai, c'était ça. Ah oui, Bill, c'est le méchant. Bill dans Oliver et compagnie. On aurait gagné si tu nous avais donné la réponse, on aurait gagné direct. Du coup, on avait exactement le même nombre de points qu'une autre équipe. Et il nous a fait trois questions pour nous départager. Alors, il y avait une question après où on devait deviner une date et on avait la même date des on deux côtés. On avait le même écart. Le même écart. Et la troisième, je les ai niqués. Du coup, on est les champions, les amis. Hein? C'est ma nouvelle médaille, les amis. J'ai deux médailles Disney. Je suis trop contente. C'est sûr. On fait pas des stories Instagram. Oh, c'est beau. Waouh.
Je crois que c'était mosaïque. Pas mal. Oh, Dumbo. On dirait le mur de bébé. C'est vrai qu'on dirait le mur de bébé. C'est trop cool, non? Oh oui. On est tout en haut, là? Oui. Mais c'est trop marrant. Alors ici, on est chez Vanellope. Vanellope. C'est le royaume des glaces. C'est des beaux plans. Regarde, on est là, Vanellope. Attends, mais attends. Robbie, Robbie. Robbie, où es-tu? Robbie, viens voir. Viens voir, viens voir. Des gâteaux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué Family Challenge. Il y a le mot challenge. Inclus 6 boules de glace, 6 toppings, de la crème chantilly. On gagne une... quoi? Tout ça servi dans une trophée. Ah, oh, dans un oui, ça doit être celui-là, là. Ah oui, bah, c'est ça. Oui. Mais ça coûte 20€, les garçons. Oui, mais c'est un challenge. Wouah, mais le maxi truc. Faut qu'on fasse un challenge Instagram pour savoir s'ils veulent qu'on le fasse. On fait? Nope. Bon, Robbie. Où là? Burger? Oh non, là, j'en veux, moi. Burger et cabana. Ouais. Ah ouais, c'est deux. Oh. Pizza. Mozzarella cheese pizza, barbecue pizza. Daily special. Mmh. Hot dog, saumon, tomato grill, et des burgers. Un bon repas de winner, c'est un bon cheeseburger. On est sur le pont 11 à côté de la piscine, et on voit que tu peux acheter plein de trucs. Acheter, c'est gratuit, des bons burgers, et la bouille elle est contente parce que du coup c'est des burgers que tu fais toi-même. En fait, ils te donnent un pain, un steak avec du fromage et un autre pain. Et tu l'ouvres et tu mets ce que tu veux dedans. Pour moi, comme ça, il n'y a pas de légumes dégueulasses dans le burger. C'est pas mauvais. Le steak, il est un peu grillé quand même. Pas. J'en ai mangé des pires. Ouais. Là, c'est gratuit. Il y a un petit peu de crevettes. Un petit peu de crabe. C'est indécent, la bouffe. Oui, beaucoup trop. Est-ce que déjà, t'avais faim quand on non, est arrivé? Pas du tout. Non. J'avais déjà même pas faim. J'avais quand déjà on a même plus burger. Faim. Ah ouais, ouais. Au revoir, merci Kevin. Regarde. Regarde qui est en bas. C'est non, Stitch. Mais, what the fuck, il y a deux personnes. Quoi. Non, il n'y a pas deux personnes du tout. Oui. Ariel. Oh, regarde bébé. Regarde bébé. How are you doing today? Ooh, what a wonderful gizmo. What do you call that? Oh, yes, it goes through your mouth. Un petit peu à l'image de ce qu'on a fait ce matin avec bébé, là on est dans la chambre de Andy et c'est trop cool parce que tu as plein de jouets Toy Story. Là-bas t'as un bac avec des monsieur patates. Là t'as quoi? Rien. Ça diffuse des dessins animés. Trop bien. Non, on a l'équipe de France, on a Mbappé. Casse-toi, pauvre con. On a encore la cantine. Oh, le truc Star Wars. Oh putain, le truc Star Wars. Mmh, il y a R2. Oui. Et... oh putain, je suis dans le Faucon Millennium. C'est marrant, j'ai un petit peu l'impression d'être dans le Space Venture. Allez, on y va. What are you doing here? It's a combat zone, it's restricted. Ease up on your way. C'est le film Star Tours original. C'est trop cool. On a sauvé le monde et là, c'est clochette. Voilà. Oh, il y a Hercule. Il y a des iPads. Mais elle bouge pas. Bébé dans son château. Oh, elle a fait tomber une tour. Attends, ouais. J'ai mis 3 ans, on refait la bébé. Oh putain. Elle aime pas trop les châteaux, je crois. Non.
Nous sommes prêts pour la piscine. Non mais regardez-moi cette dégaine. Je suis un winner. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un winner. Bébé est prêt. Bébé Drumblut. Maman est prête. On y va. Avec ma belle médaille de winner. Vous êtes encore en train de bouffer. Des fruits, des fruits. Ça va, ça va. On va emmener bébé à la piscine des bébés. C'est juste là. C'est parti. Was the first Disney property built in China. I'm not sure if it's China they want to say or Asia, but we'll stick with that one there. Disney property built in China. C'est un questionnaire sur les parcs Disney. C'est pour gagner une médaille Goofy, quoi. Et tu vas gagner, du coup. T'es un expert de parc, pourtant. Je suis pas expert au château, par contre. Alors, le gagnant a fait 21 sur 22. On a fait 4. Non, 16. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais du coup, on n'a qu'une médaille. La mission avant la fin de cette cruise line, c'est qu'on en ait une deuxième. Non, 3, c'est impossible. 2, c'est déjà bien. Le bébé, elle n'est pas très en forme. Elle est fatiguée. Hein. Fatiguée. Mais moi, je suis très content. Je suis très content parce qu'on va rencontrer qui ? On va rencontrer qui ? On va rencontrer Réponse. Hello. Yes. Oh my goodness. Yes. Would you like to do one last picture? Yes. Yes. La petite princesse. Very nice to meet you. Donc là, c'est bien, c'est qu'on a Dingo dans un beau costume espagnol. Mickey là-haut. Dans un beau costume espagnol. Mais parce que nous sommes en espagnol, on est en Belgique. En Belgique. Ils auraient pu simplement leur donner des frites, ça aurait été très bien. Bonjour. Théma, la revendeuse eBay, non, quoi. Non, mais pas du tout. Celui-là, j'ai dit que je l'aimais bien pour moi. Oui, oui, oui. J'ai vu. Pas mal, hein. Déjà, c'est pas du tout Disney Cruise Line. Est-ce que tu as un peu de mayonnaise sur le beat? Non. Non. La revendeuse de l'entrée. Mais non. Ça va, vous avez été très raisonnable. Vous avez rien acheté, je vois pas de sac. Non, non. Oh putain. Il y a que les connards qui achètent ces sacs. Et on dépense 200 euros par jour dans cette cruise line qui nous a déjà coûté 4000. Ouais, ouais. C'est vraiment. Hein? Quoi derrière le dos? Alors, une chose est sûre, c'est que j'ai pas un sac de merde comme toi. Ça, c'est sûr. Ce qui est incroyable à la Disney Cruise Line, bon, déjà, c'est que tu dépenses énormément d'argent. C'est sûr. Mais ce qui est incroyable, c'est que là. Moi, j'ai pas du tout faim. Pareil. Allez, on va manger. Ce soir, on est au Royal Palace à Louis. C'est beau, hein? La classe, hein? C'est un restaurant de princesse, hein?
les repas sur la Disney Cruise Line, c'est indécent. Non mais je sais, il y a... Bon. Alors, j'ai pas faim, mais on va remanger. Bah c'est plus juste maintenant, c'est ça hein. Ouais. Roby, tu as pris combien de petits fromages? 8. Il a mangé... 2, 4, 6... T'en as pris 8. Bouy, t'en as pris 3. J'en ai pris 2, 4, 5. Et... Bah, c'est parce qu'il filme les ventes là, il filme. Passe à côté, regardez, il y a des vents. Des ventilateurs dans l'eau, ils sont cons, ces Belges. En plus, l'eau, ça conduit pas l'électricité. Enfin, ils sont beaux quand même. Hein. Bon, c'est quand même ça, c'est quand même pas banal. Hein. C'est pas tous les jours que tu vois ça, des ventilateurs dans l'eau. Hein. Bébé, regarde la princesse. Oh. J'aurais jamais cru dire un truc comme ça. C'est trop trop bien. Eh oui, on s'est habillés. Est-ce que je vous ai parlé de mon chapeau? Oui, déjà. T'es sûr? Je crois pas. Je crois pas. T'as pas très faim toi?